L'art de devenir tranquillement riche. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes maintenant avec vos hôtes de la chaîne. Le temps file. C'est ici que nous dévoilons les secrets pour construire sa richesse et que nous exposons les mythes qui vous empêchent d'avancer. Aujourd'hui, nous quittons les rues bruyantes et encombrées pour plonger dans un monde où la vraie richesse réside, dans le silence. Imaginez ceci, des millionnaires cachés. À la vue de tous, conduisant des voitures ordinaires et portant des jeans de tous les jours, mais qui roulent secrètement avec de l'argent qu'ils n'ont pas besoin de montrer. Des personnes discrètes qui accueillent le lundi avec enthousiasme, alors que d'autres s'en désintéressent. Mais le plus important, c'est qu'il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais bien de travailler plus intelligemment. Nous sommes sur le point de révéler les secrets des personnes discrètes, faisant partie des plus riches du monde. Celles qui ont osé suivre leur passion et qui ont refusé d'accepter un non comme réponse. Ce sont de véritables visionnaires qui ont transformé leur revenu actif en abondance passive. Êtes-vous prêt à ouvrir la porte du chemin tranquille de la richesse? Dans quelques minutes, nous allons nous libérer du bruit des opinions et des raccourcis et nous plonger dans un voyage où il est question de concentration, de persévérance et d'acceptation des heures sombres. Ici, pas de voiture tape à l'œil, ni d'hôtel particulier tape à l'œil. Pas de « bling bling » ou de « buzz ». Nous parlons d'une richesse qui vous rend libre de devenir tout ce que vous désirez. Alors, si vous êtes prêt à faire taire le bruit et à vous engager sur la voie discrète de la richesse, appuyez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-nous dans cette aventure qui vous ouvrira les yeux. Restez à l'écoute pour découvrir le guide ultime qui vous permettra d'atteindre la liberté financière de façon sereine, parce que dans un monde bruyant, nous choisissons d'être tranquillement riches. La richesse tranquille, une vie d'abondance sans avoir besoin d'être sous les feux de la rampe. Le monde tourne encore, le temps file, toujours. Commençons. 1. L'antidote au travail de Zigouingouin. La première habitude des personnes tranquillement riches est d'éviter le travail à la con. Il s'agit de faire ce qui ne demande pas d'effort et qui a du sens pour nous. Prenons l'exemple des légendes du tennis, André Agassi et Novak Djokovic. Tous deux ont connu le succès, mais l'un est devenu riche, et l'autre vraiment riche et fortuné. Pourquoi? Agassi est l'opposé de Novak Djokovic. Novak poursuit sa passion, tandis qu'Agassi s'est senti piégé dans la mauvaise voie, parce qu'il détestait le tennis, mais son père l'a forcé à le faire. L'un fait un travail qu'il n'aimait pas et l'autre fait un travail qu'il ferait, même, pendant son jour de congé. Nous devons tous nous éloigner du travail de merde qui n'a pas de sens pour nous. 2. Embrassez les lundis et poursuivez votre métier. Parlons maintenant des lundis. Alors que certains les redoutent, les personnes fortunées chérissent le début d'une nouvelle semaine. Ils y voient une occasion de travailler sur leur métier et d'avoir un impact positif. N'oubliez pas que les regrets détruisent la liberté et entravent la richesse. Le point de vue de l'auteur Charles Bukowski sur les week-ends et les lundis illustre parfaitement ce point de vue. 3. Le pouvoir de la concentration sur les opinions. Les opinions peuvent être une distraction majeure sur votre chemin vers la richesse. Au lieu de chercher la validation, concentrez-vous sur l'auto-éducation, l'expérimentation et la prise de petits risques calculés. Le chemin vers la liberté financière est souvent pavé d'essais et d'erreurs. Inspirons-nous du regretté légendaire, entrepreneur et artiste, Nipsey Hussle, qui a connu l'importance de la persévérance. 4. Accepter le rejet et ne jamais accepter un non comme réponse. Le rejet fait naturellement partie du voyage vers la richesse. Les personnes qui ont réussi, comme James Cameron et Nathan Chan, comprennent que le fait d'entendre un non n'est qu'un début. C'est en persévérant dans la poursuite de vos objectifs et en transformant ces « non » en « oui » que vous vous démarquerez des autres. 5. Vous êtes un chef d'entreprise. Il est temps de vous considérer comme un chef d'entreprise. Que vous travailliez pour une entreprise ou pour vous-même, il est essentiel d'adopter un état d'esprit entrepreneurial. Les salariés comme les non-salariés ont des clients à servir et l'objectif est la rentabilité. Adopter cette mentalité est la clé de la construction de votre patrimoine. 6. Tirez le meilleur parti des heures sombres. La richesse ne s'acquiert pas du jour au lendemain, elle exige du dévouement et un travail acharné. L'utilisation des heures sombres, tôt le matin ou tard le soir, est un excellent moyen de construire votre chemin vers la liberté financière. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de raccourci vers la richesse.
laissez tomber les idées de loterie et adoptez la patience et la persévérance. 7. L'approche discrète de la richesse. Parlons maintenant de l'approche discrète de la richesse. Concentrez-vous sur la conversion des revenus actifs en revenus passifs et soyez à l'aise avec le travail en solitaire. Restez à l'écart du bruit du statut et concentrez-vous sur la création d'une valeur réelle. Adoptez le mode moine si nécessaire et n'oubliez pas que la vraie richesse n'est pas tape à l'œil. 8. Embrasser le voyage et faire profiter de son expérience. Alors que nous terminons ce voyage dans le monde des riches discrets, parlons de l'importance de s'engager dans le processus et de donner en retour. N'oubliez pas que la richesse n'est pas qu'une question d'accumulation, il s'agit d'avoir un impact positif sur les autres et de laisser un héritage qui inspire. Le véritable épanouissement ne vient pas seulement de l'abondance financière, mais aussi de l'utilisation de cette abondance pour élever les autres. Qu'il s'agisse de soutenir une cause qui vous passionne ou d'aider ceux qui sont dans le besoin, donner en retour amplifie la joie de la richesse et crée un effet d'entraînement pour un changement positif. La gratitude est un aspect fondamental de l'état d'esprit d'un riche tranquille. Lorsque vous atteignez le succès, soyez reconnaissant pour les occasions, le soutien et les leçons qui vous ont permis d'y arriver. Exprimer de la gratitude vous permet de garder les pieds sur terre et d'attirer encore plus d'abondance dans votre vie. Alors, à tous les débrouillards, nous vous encourageons à passer à l'action maintenant. Adoptez la voie tranquille de la richesse. Restez concentré sur votre vision et rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de gains financiers, il s'agit de la liberté de vivre sa vie comme on l'entend. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes tranquillement riches qui se soutiennent et s'encouragent mutuellement. Partagez votre parcours dans les commentaires ci-dessous et inspirons-nous les uns les autres pour atteindre de nouveaux sommets. Merci d'avoir participé à cet incroyable voyage. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec des amis qui sont prêts à emprunter la voie tranquille du succès. Alors que nous poursuivons notre quête de la liberté financière, n'oubliez pas de profiter du voyage, de donner en retour et de savourer chaque instant de cette remarquable aventure. Le monde a besoin de plus d'âmes tranquillement riches, et nous sommes ravis que vous fassiez partie de notre communauté. Restez humble, restez reconnaissant et laissez le chemin tranquille vous guider vers vos rêves. C'est tout ce qu'il y a à dire sur la voie silencieuse de la richesse. Des exemples concrets et des histoires de réussite nous ont appris que le chemin de la liberté financière exige de la discipline, de la concentration et de la persévérance. N'oubliez pas que le chemin de la richesse dépend davantage de ce que vous ne faites pas que de ce que vous faites. Si vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo, levez le pouce et partagez-la avec vos amis. Et comme toujours, restez concentré, restez calme et achetez de la liberté sur le chemin de la richesse. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage qui nous a ouvert les yeux, réfléchissons au chemin qui mène à la richesse et au succès. N'oubliez pas que le temps est à la fois notre meilleur allié et notre ressource la plus précieuse. Le chemin tranquille qui mène à la richesse n'est pas une aventure du jour au lendemain, c'est un voyage réfléchi et délibéré. Chaque instant compte et les actions que vous entreprenez aujourd'hui, aussi petites soient-elles, se traduiront demain par des résultats remarquables. Adoptez le pouvoir de la patience et comprenez que la vraie richesse se construit par la constance et la persévérance. Tout comme les personnes tranquillement riches que nous avons explorées, restez concentré sur votre métier, quelles que soient les distractions qui peuvent se présenter à vous. Laissez le bruit du monde s'évanouir pendant que vous perfectionnez vos compétences et créez une valeur durable. Faites attention à votre temps, prévoyez des moments dédiés à votre croissance et à votre indépendance financière. N'oubliez pas que les heures sombres peuvent façonner votre destin, alors faites en sorte que chaque seconde compte. Et enfin, alors que vous avancez sur ce chemin tranquille vers la richesse, n'oubliez jamais que la récompense ultime n'est pas seulement monétaire, c'est la liberté de vivre votre vie comme vous l'entendez, de poursuivre vos passions et de laisser un héritage durable. Alors, chers vous, embrassez le pouvoir du silence, faites confiance à votre vision et passez à l'action avec inspiration. Votre voyage vers la richesse discrète ne fait que commencer, et nous croyons en votre capacité à atteindre la grandeur. Merci de vous être joint à nous dans cette quête de liberté financière. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec d'autres personnes en quête de richesse et de succès. Pour nous soutenir, vous trouverez tous les liens en description. N'oubliez pas que le moyen le plus simple de devenir riche est à votre portée.
Continuez à croire en vous et nous vous reverrons dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les possibilités extraordinaires qui s'offrent à vous. D'ici là, restez concentrés, restez patients et empruntez le chemin tranquille qui mène à la richesse. Rencontrons-nous au sommet de la réussite. Le temps file.